Regardez vous. Partez. Allez. Dis-moi. Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Matete, distingué membre de la composition, mon major, la police de l'Est s'est rangée pour vous rendre les honneurs. Il vous présente le prévenu qui comparait à l'audience dès ce jour. Comment la police d'audience? Adjudant chef, Mickey, Matin. Je déclare l'audience de jour ouverte à monter et répondre. En venant, major. Allemand. Début de l'instruction au tribunal militaire de garnison de Matete de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire et les parties civiles Chimanga Mukendi et Kalanga Chimanga, famille de l'activiste des droits de l'homme et fondateur du mouvement citoyen et collectif 2016, contre le brigadier Tokis Kumbu Girard, poursuivi pour violation des consignes et meurtre de Rossi Chimanga. L'activiste de droits de l'homme tué dimanche 25 février de l'année en cours lors d'une marche organisée par le comité laïque chrétien. L'audience foraine se déroule à la prison militaire de Ndolo où est incarcéré le prévenu brigadier en chef Tokis Kumbu. Le collectif des avocats de la partie civile avait, à l'audience précédente, sollicité et obtenu du tribunal une autre remise en vue d'organiser la comparution de l'État congolais comme civilement responsable. Une audience renvoyée en vue de régulariser la procédure. Au cours de la même audience, le prévenu Tokis Kumbu avait dénoncé ses conditions de détention et rappelé son solde impayé. À l'audience du jour, le tribunal vérifie sa saisine. La composition constate que l'État congolais n'est pas représenté dans la salle d'audience malgré sa saisine régulière. Le ministère public sollicite du tribunal d'en tirer toutes les conséquences des droits et de poursuivre l'instruction de la cause. Votre tribunal a posé la question si l'avocat de la République était dans la salle. Nous avons constaté, ensemble avec le tribunal, que la partie civilement responsable a fait défaut. Monsieur le Président, les conséquences des droits sont là. Mais nous sommes aussi convaincus que nous ne sommes là qu'en matière des intérêts civils et que nous ne trouvons pas un obstacle pour votre tribunal de continuer à examiner l'aspect pénal de ces dossiers. L'audience continue. Le greffier recommence à lire à l'intention du prévenu, le brigadier Tokis Kumbu Girard, les faits mis à sa charge comme l'exige la procédure. La composition passe la parole au prévenu. Celui-ci revient encore sur les réclamations concernant son solde impayé. Vin a déclaré que ma camotani moyen pour un salaire. Mon canard autre coach là qui niveau à commissariat général. Tout le temps mon aussi. Mais la paix ça document. La composition rejette ses préalables du prévenu et débute l'instruction sur la première prévention, la violation des consignes. Le tribunal l'invite à donner pour la première fois sa version des faits. Le prévenu Tokis Kumbu Girard, visiblement soulagé de s'exprimer en public pour donner sa version des faits, plus de 5 mois après son arrestation, soutient n'avoir jamais tiré une balle sur la victime et s'est dit surpris d'avoir été présenté devant la presse par sa hiérarchie avec une version qu'il n'a jamais donnée lors de son audition. Dans un élément escadron mobile d'intervention à Mokamba, commandé par Major Karine. Dans un qui est à poste, un rond-point, Tokomi, dans ma tête, dans le jeep, des autres éléments qui sont dans ma tête,
Tout le monde en présence du commandant district a invité Major Karine dans l'emba des ordres de Moïse Salama dans l'emba terminus. Tout le monde est commis dans l'emba terminus. Major Karine, tant que vous avez dans l'emba terminus, Bichon Stokita qui n'a pas été déjà dans ma belle, la quitte qui n'a pas été déjà. Tant que vous avez dans l'emba, la quitte qui n'a pas été. Major Karine a eu un dispositif, a eu un élément où il y a Bonaki. A quitté la bango, a avancé la bango. Les baquets de Bosso, Bisso a tiré du Bisso, Totika a dit pour la possible Égypte. On a tiré à Kiwana, on a dit déjà à Mabele, on a tiré à Kiwana. On a dit à Sima, on a dit tout par le Bosso, mais qui pour y apporter. Après quelques temps, on a dispersé la population. On a dit que la tenue civile, la nouvelle bassine à Major Karim, a dit que la moussapiono, on a dit. Moto abeti masasi mutakwe. Présence boye na meshunga na monaki mutute même tout dans qui en bosso na monaki mutakwe akite. Maka lobi abeti masasi mutakwe apotenga musapi. Le parla major kare na ibuka libosso abi pesanga munduki. Na pesia munduki nanga a côté ba munition na ndenge za ki 6 ndenga pesaki nga a côté bon a jongo direct na ka bon kota na kata jeep bana. Un débat s'engage ensuite sur la requalification des faits. Les avocats de la défense soutiennent que tous les éléments ne sont pas réunis pour conclure l'infraction de meurtre à charge du brigadier Tokis Kungu Gérard. Ce qui suscite un vif débat entre toutes les parties. L'intention de toutes les parties, le prévenu est poursuivi pour deux faits. La version de la corruption et le meurtre. Alors, les tribunaux ont proposé une méthodologie pour ces jours. Nous avons seulement instruit sur la prévention de l'utilisation de la commission. Nous pensons que quand on parle de la méthodologie, on sous-entend l'ordre dans la façon de travailler. Les tribunaux estiment qu'il faut commencer par la première prévention. Au regard même de la chronologie des faits, nous estimons qu'il est des bonnes lois, des bons droits, que nous commençons par les débits avant d'arriver au meurtre de Rossi Mokendi. Nous avons entendu la fois passée, Monsieur le Président, que les prévenus et poursuivis du chef de l'assassinat, c'est là où il y avait eu même les débats avec l'honoré confrère Doyé Kabengele, eut la violation des consignes. Le tribunal et président des juridictions militaires à toute latitude et le pouvoir de disqualifier les faits, de qualifier les faits, Monsieur le Président. Au jour d'aujourd'hui, le tribunal vient à l'intention des parties, vient de donner des précisions quant aux privations mises en charge du prévenu. C'est pourquoi la défense voudrait, Monsieur le Président, être mise en page, informée, si le président de la juridiction vient réqualifier le fait, M. le Président, sa vote. Le ministère public a saisi votre tribunal en disant qu'il y a eu meurtre. Mais du moins, il y a un prévenu qui comparaît. Il vous dit qu'il n'y a pas eu meurtre, mais plutôt assassinat. Qui dit assassinat prétend qu'il y a eu préméditation et préparation. Votre honneur, il convient à ce moment de creuser, de ne pas vous limiter à ce que le ministère vous a dit, le ministère public vous a dit. Mais plutôt de creuser pour savoir et poser la question au ministère public s'il y a eu assassinat, comment, et poser les questions aux prévenus s'il y a eu assassinat. Savoir à quel moment ça a été prémédité et avec qui, Monsieur le Président. Le tribunal repose la question aux prévenus sur les faits infractionnels de la violation des consignes mises à sa charge. Celui-ci soutient avoir été sous le commandement de sa hiérarchie et soutient n'avoir jamais quitté son poste. Prévenu Toki. Présent pour major. Est-ce que au coup que j'ai un tribunal, Namokoloana, Bakonzi, Baïbsa, Nini, exactement. Tant que tu commences à s'y avant de commencer à s'y aller, à partir à bureau. À partir à bureau. Prévention, moto, qui est intervention. Tant que tu commences à s'y aller, de toujours conseiller qu'il y a une équipe, ou y'a qu'il y a qui n'a pas de bonnes choses. Les bisous de Tika qui a dit que bisous à Sylvain a dit, les consignes ne soient qu'un roi. Bino Moutikal. Oui. A Pesaki, une consigne militaire ordonnée.
Tous, ils avaient reçu l'instruction de ne pas être munis des balles réelles. Il y a le conseil général et le conseil général, nous avons été à détenir pour nous disperser les manifestants, balles réelles, nous avons été à la balle réelle. Lorsque la première équipe est partie avec leur chef, le commandant, le commissaire supérieur adjoint Karim, la Jeep s'était-elle déplacée après? Avait-elle fait un autre mouvement ou la Jeep était restée au lieu où le commandant avait laissé la Jeep avec l'équipe? Deuxième équipe où il y avait la Jeep et la première équipe qui était en danger face à la population. C'est la première équipe ou la deuxième équipe? Si le ministère public peut nous déterminer où est-ce qu'il a puisé son imagination selon laquelle le prévenu s'est retrouvé à côté du garde du corps de major Carré. La question sur la présence à côté des gardes du corps du commissaire supérieur adjoint Karine. Monsieur le Président, on n'a qu'à lire les déclarations des sous-antennes Mukengewa Mukenge Alexis. Si c'est lui-là d'ailleurs, les témoins, Monsieur le Président, qui les cite, ne sont pas à la prévention de Meurthe. Nous ne voulons pas mettre la charrue devant le bœuf, mais au moins, Monsieur le Président, il est clair. Et par rapport aussi bien à la estimation ou appréciation des distances, que la présence de Tokis à côté de l'équipe d'avance, là où il a été appréhendé, Monsieur le Président, nous pensons que votre tribunal ferait mieux d'appeler les commandants d'unité de qui appartient le prévenu, qui est mieux placé, et aussi bien les sous-antennes. Après cette procédure, le tribunal militaire de garnison des Matété renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Et moi, gardez-vous, portez armes. Dis-moi. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distingué membre de la composition, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est levée, elle reprend le lundi 6 en CD à mon père et le avant le major. Allemand.